Frère Axel Moyau, le 27 juin, c'était fête Notre-Dame du Perpétuel Secours. Haïtiens, on grand vénération pour Notre-Dame du Perpétuel Secours qui est patronne d'Haïti. Ça sortit surtout en 1983, le tégon épidémie tivérole Port-au-Prince. Pas de moyens pour contrôler l'épidémie ça, mais depuis, pour 15 août, Monseigneur et archevêque Port-au-Prince tenté bénit Port-au-Prince avec une image Notre-Dame du Perpétuel Secours, la même épidémie tivérole en suspens sans aucune raison scientifique. Donc depuis jour ça, nous avons une grande dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dévotion ça très ancienne. C'est une image qui nous pas fin qu'on origine ni très bien, mais les retracer depuis peut-être au 1er ou 2e siècle. Image ça représentait la Vierge Marie qui a deux étoiles sous front, une qui représentait virginité, l'autre qui représentait maternité. Et la Vierge habillée en bleu, tant que couleur ciel qui voulait dire pureté. En même temps, il y a une robe rouge par en bas, qui voulait dire dignité royale. Si Jésus chita sous genou la Vierge Marie, et nous remarquons deux bagailles, main de Jésus serré main, maman, et puis nous voyons pied de Jésus, on t'y a tordé, et puis sandali absolument tombé. Pour qui ça? Eh bien, il y a deux autres bagailles pour nous remarquer. C'est que à gauche et à droite, il y a un portrait deux anges. Youn, c'est Saint Gabriel, l'autre, c'est Saint Michel. Et qui s'acclame yo? Youn pote croix, la main, et l'autre pote lance, soldat, te piqué que Jésus, avec éponge vinaigre. Ça nous relève les instruments de la passion. C'est comme quoi Jésus, qui fait tout petit, les gens destinés pour mourir sous croix. Et Zangio vient porter signe ça par Jésus. Et nous voyons Jésus effrayé. Ça n'a pas marqué l'enfigure parce que longtemps, peinture, pas de gain droit, mettez émotion sous figure, monde y a présenté. Donc, ni la Vierge Marie au bon visage serein, ni Jésus, mais frayeur Jésus manifesté précisément. Le pied qui tordait le loué bagaille ça, et sandales qui s'est tombé. Et deuxièmement, sous kembe, li kembe, même maman, pour chercher consolation et secours. Et nous connaissons qu'il y a la Vierge Marie, pour participer à la passion chrétienne, la prête camper, la pied croix chrétienne, à soutenir Christ dans l'agonie. Donc, ce sont très belles images qui portaient en pile enseignement théologique. Premièrement, sous Jésus, qui c'est l'agneau immolé, et qui c'est grand prêtre qui prend l'offrir tête li en sacrifice pour réconcilier nous. Et deuxièmement, rôle Maman Marie dans tout ça, qui a consolé, qui a soutenu Jésus. Et comme Jésus vient tête l'Église, là, soutien que affection, amour que la Vierge Marie a baillé Jésus, l'y répand sur nous-mêmes qui c'est corps Christ là. Jésus, ses têtes là. Donc, Maman Marie a participé pour porter secours dans toute nécessité, nous, depuis que nous acceptons Jésus, petite Lia. Grande dévotion. Et c'est magnifique pour nous, Jean, peuple haïtien, vraiment un amour sincère pour Maman Marie, avec rôle très spécial que l'y gagne. Non seulement pendant l'incarnation, c'est-à-dire le Jésus tout le monde dans le ventre, mais surtout dans la rédemption, le Jésus offrit tête en sacrifice pour sauver nous. Maman Marie, la prière pour le peuple haïtien, Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous avons recours à toi. Prie pour Haïti et pour le monde entier. Amen.